Samy! Quoi? Tu veux bien m'aider à allumer ce feu, s'il te plaît? En fait, j'entrais justement dans mon bain. Oh! Bah, surtout, hésite pas si t'as besoin d'aide. Très drôle! C'est pas vrai. D'accord, Josh, voyons si tu sais comment ouvrir l'eau chaude dans ton magnifique chalet. Waouh, ça ressemble vraiment à Mike. Ok, bien que vos remarques soient constructives, je crois que j'ai une meilleure idée pour vous. Quoi? Ok, parce que je suis à peu près sûr que dans cette bigogue de folie, on avait un plateau de spiritisme. Un quoi? Waouh, t'as un plateau de spiritisme? Ouais, c'est marrant. C'est des conneries, mec. Ça marche jamais. Je te dis que si, mec, on le faisait tout le temps. Enfin, moi... Hey, Josh, on n'a pas d'eau chaude, c'est genre une méga priorité, non? Ouais, je vais allumer la chaudière. Elle est au sous-sol. Bon, alors vous, essayez de trouver le plateau de spiritisme. Chris, ouais, allons-y. Ce sera un peu comme une chasse au trésor. Ouais, si tu veux. Bien, tu le regretteras pas. Alors, ça te dit une balade ?
remarqué comment j'ai envoyé Chris et Ash en mission tous les deux? Je crois qu'un peu de temps seul leur ferait du bien. Oh, ils sont vraiment mignons tous les deux. J'espère juste qu'ils vont continuer sur leur lancée. Je crois qu'ils ont seulement besoin d'un... coup de pouce qui les rapproche, tu vois. Une sorte d'expérience choquante qui les jette dans les bras l'un de l'autre. À ce stade, ils finiront en maison de retraite avant que Chris ne bouge. Tu sais, Sam... Oui, Josh? Je voulais seulement te dire que... Quoi? Ça compte vraiment beaucoup pour moi de revenir ici cette année, et puis que... toi, tu sois là, Sam. Josh, on est là pour toi. Vraiment, peu importe comment et quand, on va tous surmonter ça, ensemble. Je veux qu'on passe un bon moment, tu vois. Hé, hey, regarde où tu marches. Je pense que je vais pouvoir gérer un bon vieil escalier. Désolé de te ramener à la dure réalité. Bon, donne-moi juste un peu d'eau chaude et je serai aux anges. Écoute, j'aimerais pas trop que tu viennes ici toute seule. Tu sais. Ouais, c'est... c'est vrai que ça craint par ici. Ouais. C'est pas un endroit où il faut rester toute seule. C'est la tienne? Ouais, avant je jouais au baseball tout le temps avec mon père. Bien sûr, c'était avant. Avant qu'il soit trop occupé pour passer du temps avec moi. Eh ben, t'as qu'à me la mettre de côté, d'accord? Bon allez, maintenant je vais voir ce que je peux faire avec cette bonne vieille chaudière. Tiens, tu peux tenir ça? De quoi tu parles? Éclaire par ici, que je puisse voir ce que je fais. Joli. Ok, pour commencer, il faut augmenter la pression de l'eau avant de pouvoir allumer la chaudière. Ça m'a l'air compliqué. Non, en fait, c'est hyper simple. Ça pourrait être plein de choses et pas très sympathique. Ah, arrête. Je fais mon Josh, c'est tout. Waouh, t'as vraiment flippé. Oh putain. Bouge pas. Quoi? Il y a un truc derrière toi. C'est ça. Je t'ai... D'accord, 15-0. 30 trésors.
Quoi? Non, attends, où est-ce que tu l'as eu ton premier point? Ça commence pas à 30? Mais non, à 15. Ah, ouais, moi je suis plus branchée ping-pong. Mais, attends, t'as entendu comme moi là? Josh. Quoi? Le rythme est étrangement régulier. C'est... Non, non, c'est pas du tout régulier. Je vais aller voir. Quoi? Pourquoi? Qu'est-ce que ça peut faire, Trouillard? Non, c'est probablement rien, à mon avis. Et si tu gardais le fort pendant que moi je vais voir? Oui, madame, tout ce que vous voudrez. Bien joué, celle-là était bien. Mais pourquoi tu... t'as fait ça? Quoi? On a une vraie ambiance de film d'horreur. Allez, j'étais obligé de profiter de la situation. Non mais, tu déconnes là. Et toi, t'étais au courant de tout ça? Non, mais j'aurais aimé. C'était trop fort. Je veux bien admettre que ta plaisanterie débile avait peut-être une certaine dose d'humour. Je suis le maître de la blague. Non, j'ai rien dit sur tes blagues. J'ai juste dit que ta plaisanterie était débile. Ah, putain, t'étais terrorisé. Allez, admets-le. Alors là, pas du tout. Mytho, tu t'es complètement pissé dessus. Mais bordel, qu'est-ce que tu portes? J'ai trouvé ma vocation. Pitié, dis-moi que tu vas faire vœu de silence. D'accord. Et t'as trouvé le bidule? Voici notre billet vers le monde des esprits. Tu sais quoi? Non, j'ai eu assez les chocottes pour cette nuit, c'est clair? Dans ma boule de cristal, je vois un bain chaud. Ok, alors amusez-vous bien. Oh, mais méfiez-vous de Josh. C'est un vrai fou. Ok. J'aimerais savoir ce que vous pensez des gens qui ont peur du surnaturel, des fantômes, des esprits et de toutes les forces de l'au-delà. Vous aussi, ça vous effraie? Façon de jouer ne reflète pas cette phobie. Et maintenant, analysons plus précisément ce que vous ressentez envers les gens, ce que vous appréciez et respecter chez vous et chez les autres. Quelle est la qualité la plus importante à vos yeux? La loyauté ou la franchise? Donc, vous seriez prêt à mentir par loyauté envers un ami, bien. Et si je vous dis loyauté ou charité? Quelle générosité et quelle humanité! Très touchant. Ah, mais une fois encore, la session touche à sa fin. Nous en reparlerons bientôt.